Salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue sur Total Warhammer 3 avec les nains du chaos de Satana. On a eu une petite déconvenue en KT, donc après un succès contre Village le Maudit, on est tombé sur Meowing avec une trois armées, donc dont la garnison. Ça a été un peu compliqué ici. Donc là, on va essayer de recorriger ça, on va renforcer notre armée. Là, on est parti sur beaucoup d'unités de nains du chaos, quelques Blunderbuss, de l'artillerie. On a recruté aussi un châtelain infernal puisque notre sorcier de feu du début est décédé. On va remettre un momon. On verra ce que ça donne. Jamais testé, donc il faut un début à tout. Hein. Alors les convois, qu'est-ce qu'on a de beau? Maintenant on a ça. Il va nous falloir de la main-d'œuvre. Hein. Alors, 1000 pour 600. 40k me déteste. Là, on va se tomber des gros combats. En vrai, 3 gros combats au début. Allez, on va le tenter. Il faut. Sur la main-d'œuvre, là, on va en avoir besoin. Et il faut qu'on retourne. Alors, dès qu'on aura terminé de compléter l'armée de Zatan. On pourra faire le nécessaire. Alors, je vais recruter quand même une unité de guerriers gobelins en attendant pour compenser le retour. Donc, 3 et 2, 5, 6. En vrai, je pourrais rajouter encore un guerrier, je serai à 7. Ça nous ferait hop, un bonus. Je vais faire ça aussi pour augmenter l'ordre public. Ok. Une fois qu'on aura fait tomber les portes de KT et la faction de Emirim, Victoire à la Pyrrhus, on perd beaucoup d'unités, c'est qui? On perd quoi? Des orques, des nains-ducs. On se fait de la thune. On va vite se reconstituer au plus vite. On a rentré le premier combat du coup. Puis ça a calmé Grimgor, comme ça lui apprendra qu'il faut pas attaquer les Nainducs. On va tenter, hein. En principe on devrait avoir le dessus, ouais là. Allez. Allez, oh les points du Nord qui confédèrent à tour de bras, ça commence à être dangereux là par contre. Ah, un combat de tour de l'arc conscripteur, une unité supplémentaire de. Oh, parfait ça. Parfait, parfait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Allez, meilleure défense en mêlée pour lui. Et on va mettre présence charismatique au convoi. Alors ça, on va attendre. I serve only the House of Secrets. Ils ont confédéré là, donc là ça peut être chiant par contre. Je vais tenter de faire une embuscade à la, pour voir comment ils vont réagir. Je pense que j'ai des bonnes chances, je vais essayer ça, ça coûte rien. Donc là, Miaoui se trouve en petite province. Ça va être compliqué, patron. Qu'est-ce qu'ils vont me traiter de paix? Bah, vas-y, amuse-toi. Si t'as que ça à foutre et tu me files 900 balles, je prends. Le convoi a pris cher, un dragon serait pas de refus. Allez, vas-y, on va le tenter. Embuscade ici. J'ai hâte qu'ils viennent. Hein. J'espère au moins Meowing, ça serait drôle. Là, notre manœuvre, elle descend. Il va falloir faire attention. On va descendre. Alors,
200 ici, on va remettre là. Voilà, comme ça on aura un petit truc à 90% environ. Hop, on va faire un peu plus de thunas. Là, on va bien monter hein, si on fait pas n'importe quoi. Allez, venez, venez. Ah, tu viens, Miaowing. On perd quoi? Oh là là là. On peut les wiper en un coup, vas-y. Avec la porte en plus, là, on a fait un beaucoup. Bon, on a perdu beaucoup d'hommes. Mais on a réussi à la wipe. En plus, il y avait une deuxième armée. Donc l'embuscade a été pertinente, on va dire. Maintenant, faut vite que je me mette à la porte de la tortue, par contre. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Allez, non, il me déclare la guerre, tu sais pas pourquoi. Bon, bref, ok. Peut-être les. Non, c'est avec les convois là, les. Ah bah, mais oui, défense, j'espère que contre les charges et tout, plus de points de vie. Les assermenteurs infernaux de renom, on gagne de l'or. On va se refaire une arme. Une énième fois. Les... On va vite se planquer là-dedans. Alors, Zatan. Ça c'est fait. Alors, je vais te faire quoi? Je vais ouvrir l'exercice de tir à fond et brutalité de Tsar. Comme ça, au moins, tu commenceras. On va entamer cette ligne-là. Au moment, tu as pris des points là. Alors, qu'est-ce que je vais augmenter la mobilité déjà. Survie. Alors, si on choisit. Ok, si on choisit une de ces compétences, c'est ça ou l'autre. Oh, on va te faire des attaques destructrices sur le long terme. Alors lui, il a pris deux niveaux de plus. Alors, entretien pour des gobelins. En moins, c'est bien. Répondre d'autorité, c'est toujours utile. Alors, deux blunderbus. Alors, les assermenteurs infernaux, c'est l'une de mes unités de renom. J'ai encore ça à placer. Bah, l'embarquer lui, hop, ça fera une ligne d'infanterie supplémentaire. Et là, j'ai accès à deux unités. Alors, en vrai, les Gainan Pass sont pas mauvais. J'en prends deux, comme ça, j'en aurai le troisième à la. Le troisième, il sera un truc de renom. Je vais embarquer deux assermenteurs comme ça. Un troisième blunderbus. Il me restera encore de la place. Donc l'artillerie a bien bossé là, ça c'est cool. Et quelques unités de fourbasse gobelins. Commence à avoir des armées assez intéressantes. Donc, déjà après tout, on peut déjà recruter 17 unités quasiment, c'est pas mal. Alors mon convoi là, il arrive dans 9 tours, il est où? Il est là, à la porte des secrets. Après, ça va être que des petits combats pour la plupart. On aurait pris un second convoi avec lui. Oh. On va l'ajouter. Alors, ça va mener où? Alors, 1150 pour 825. Donc là on peut oublier, là on peut oublier. 40 quarts malheureusement c'est pas possible. Allez hein, on va aller à Grunza. Voilà. D'ici quelques tours on aura l'armée qui sera quasiment refaite. Ouais. Et déjà je pourrais recruter. Cette unité là je vais la je vais supprimer, je vais faire ça. Il y a des choses à faire là. Si on peut vite commencer à défoncer le KT, moi je suis preneur. Hein. Tiens nos positions. Et ça c'est bien. Il faut que je commence aussi à préparer un autre gars là en arrière. Je vais lui faire des unités de gobelins, tant pis.
Tiens, restez sur la route pour éviter des problèmes. Alors. J'ai pas recruté de seconde armée. Et après, il faut aussi que je fasse ma bataille de gâte. Alors. Alors, un superviseur. Méthodique, allez. En plus, il a l'air diplomate. Voilà. Ah, un collègue, il a l'air de bien se démerder contre. What? Speak, mortal. Ça, je te le propose, comme ça, si on peut s'entraider. Puis là, on a encore combien de temps de toute bonne usure constitution? Dans deux tours, on l'a encore. Hein. On est déjà refait, mais bon. Alors, 2, 2, 1. Allez. Là, l'armée est complètement refaite. Là, il nous manquerait encore une unité. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Et pour dans deux tours. On aura les deux gardes assermentés. On va rajouter un guerrier supplémentaire. Chape de pollution. Chance d'embuscade 10%. Vas-y. On prend. On va économiser nos sous. Là, on va essayer de faire ça tout de suite. Le cimetière de machine de guerre. Et on gagnera 50 points d'armes, 50 armes en plus partout. Pour le moment, je vais pas trop dépenser. Je pourrais dépenser mes armements. Enfin, commencer. Ça, admettons ici. Qu'est-ce qu'on a de beau? Envoi de charge et frénésie. Ok. Ici, transprojectile. Coût supplémentaire, on va appliquer ça. 16. L'artillerie. Bon, on a ça. Ils ont pas de munitions, mais bon, soit. Ça, on va le faire tout de suite. Et je vais faire tout de suite frénésier ça. Bon, 32, mais je pense que ça peut valoir le coup. Voilà. Là, on va commencer à se refaire la santé. Là, on va essayer d'aller chercher Weijin. Alors, pourquoi Weijin? J'ai vu qu'il y avait un bâtiment spécial contre qui pourrait nous servir contre le KT. Donc, en plus, c'est la capitale, donc il y a pas de raison, j'ai envie de vous dire. Ah, caravane des roses bleues disparue. Ah. Allez, encore une unité de guerrier du chaos. Quelqu'un m'a piqué un siège. J'ai vu ça, alors attends, j'essaie de le retrouver. Siège de Zarnak, où ça? Qui me l'a piqué? Ah, c'est lui qui m'a piqué quoi? Bon, la magie à la limite, ok. Ah, tu veux jouer à ça? Bah, je vais essayer de piquer un de ces sièges à lui. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Alors là, on a le bonus de recrutement global plus 2, ça c'est cool. Ok, t'as voulu me piquer un siège, bah, je vais te le piquer celui-là. Piquer, allez, celui-ci là, le prophète. Dès qu'on a l'influence. Alors, ça y est, en garnison non déplacée. J'ai encore de la place pour deux unités là. Je vais partir sur deux guerriers nains-ducs. Allez, deux archers comme ça. La tour, on la met tout de suite au niveau 3. La garnison, on va la garder. Tu gagnes comment l'influence? Alors, l'influence, tu la gagnes en général avec les tours, certaines missions, des temples d'Ashut, des événements aussi. Il y a plein de choses. Donc, la tempête de fer, 5400. Au prochain tour, on l'a fait. Et on va les venger sur KT. On va
tous les massacrer jusqu'au dernier. Ça va être la vengeance totale. Après, faut pas que j'oublie de faire ma mission de quête, donc je la ferai peut-être pas là, cette semaine, mais la semaine prochaine. Ah, Drishad s'est fait déboîter aussi. Est-ce que je peux aller chercher ça? Oui, Jim. Je pense qu'on peut prendre la ville sans trop de problèmes. Tour de justesse, ok, je prends. Ça y est. Tour. Ah. Donc ça, je le dis, on a de quoi comme ressources ici. Des épices, on va les faire tout de suite. Zatan a pris son level, on va lui mettre quoi? Ça, général de Zar. Encore de la reconstitution et de l'entretien en moins. Hop, on va rajouter ça. Moment, tu continues de monter en puissance. Qu'est-ce que je peux te rajouter? Obus de propulsion à cendre, je prends. Alors, ça dit quoi que Miao Ying? Ok, 9 provinces encore. Putain. Qu'il en soit ainsi. Nous Mingzhou, la cité de Shengan. J'allais chercher Shungon et je vais revenir sur la cité de Mingzhou. À moins que, attends, il y a une mission. Ah ouais, il faut que j'aille aussi chercher le boucle ironique du chaos, ça. Ok, j'ai pas les fonds. Voilà. On va aller chercher toutes leurs provinces le plus vite possible. On va essayer de bien les réduire comme ça. Et après, on pourra tranquillement les repousser vers les portes. Et je pense qu'on va s'en tirer. Si on arrive à la neutraliser, bien sûr. Ah, pas de tour pour cette campagne. Ouais. Mais bon, là, j'ai confiance avec l'armée qu'on commence à avoir. Ça commence à envoyer du lourd, quoi. Alors, détruire la machine, je perds 400 de matière première, vas-y. Ok, c'est au niveau 5 qu'il faut faire ça. Bah, plus de garnison, hein. Allez, dans 4 tours, on fait ça. Prochain tour, on a ça. Là, il faut qu'on avance. Hein. Victoire à la Pyrrhus. Bon, bah écoute, hein, si ça t'amuse. Plus de main d'or. Alors, je sais pas si nos trucs d'armement ils sont pris en compte pour. Comment ça s'appelle? Pour les garnisons. Je me pose la question. J'ai pas l'impression. Ah, il y a une autre armée qui s'est pointée. Par contre, là, ça va être compliqué. Encore une faction qui se fait wipe. Ok, faire un raid, on va essayer. Alors, toi, t'as pris un level, je vais te mettre tactique d'escarmouche. Et toi, Gorbaz. Victoire France 27 Néo-Zélandais. GG au bleu, parce que franchement, contre les Néo-Zélandais, c'est jamais simple. Tout respect. Voilà. On va occuper en poste avancé. Alors, ça donne quoi si je fais tout ça? 9 tours, ouais. État vivant, ça donnerait quoi? Entraînement au temple. J'ai pas de centaure tauron pour l'instant. Je vais retourner un petit peu dans la sorcellerie parce que j'ai pas fait grand chose, j'avoue. Je vais faire ça là. Un petit peu de rush là-dessus. Allez.
Après, s'ils veulent reprendre Wajin qui viennent, comme ça, moi, je contre-attaque. Ah, bah non. Je sais pas où ils sont, mais je vais aller les chercher. Après, on l'a cité là, comme ça, on se met là, putain. J'essaie de discuter aussi avec le Kirkeur de Pierre. Il y a Grimgor aussi, faut pas l'oublier, à un moment, on viendra vers lui. Allez, on va les faire reculer un peu comme ça. Du coup, ils veulent pas de commerce. Et on peut les oublier. Alors, les froids bénis, attends. C'est le pire. En vrai, hein, s'ils veulent embêter le monde, tant pis, à un moment, bah, si on leur taper sur, on leur tape pas dessus. Donc. On n'y est pas encore. Ah, ils sont occupés là-bas. Qu'ils sont occupés, c'est bien. Moi, c'est lui qui m'intéresse. Victor à la Pyrrhus, ils s'en prennent à notre porte. Ou de main d'œuvre. Si on leur reprend toute leur vie comme ça pendant qu'ils se fracassent, moi je dis oui. Hein. Blitzkrieg, bon, vous aurez pas beaucoup de batailles, mais bon. Des fois, il y a des sessions où vous aurez pas beaucoup de batailles. C'est comme ça. Je sais que ça peut pas plaire forcément, mais bon. Attends, les confédères, ok. On a gagné pas mal de trucs. Une araignée Ragnarok avec ce qu'on voit. Magnifique. Raja. Allez hop, on avance. On a fait quoi? Un poste avancé, on va faire une usine. On met un Eddy derrière. On a annulé cette mission. Maintenant, prochaine cible. Pomei est tout au nord. Donc on va aller chercher Pomei. Pomei, City Artier 8 et on va remonter. Et ensuite les portes. Elles devraient vite tomber, j'espère. Voilà, comme ça l'entretien des machines va être réduit encore. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer qui pourrait avoir son utilité à moi? J'ai pas de truc à faire pour l'instant. Alors, à la volée, on peut faire un nouveau bâtiment, donc, sachant qu'il nous faut garder un slot pour lui. Destructeur Kadai. Allez, on part sur le destructeur Kadai à terme. Canon Apocalypse et lancer fusée Hurlemort. C'est pas mal aussi, ça sera utile. Marink. Ça a l'air bien costaud ce truc là, et ça me fait plaisir. Nouveau point de compétence pour lui. Zatan, on va lui rajouter Dominateur. Et là, on va lui mettre encore toute cette ligne là. On arrive. Bonjour, cette voisin. Oh, non. Vraiment, non. Et après, au moins, il va une fois aussi, ils sont en retour, ça c'est sûr. Hein. Ok, oh, les protecteurs de l'Ouest qui sont couverts d'une autre faction. On est de notre côté. Hein. Oh, mais il va tenter de la récupérer.
Miao Ying. Donc là, logiquement, ça fait qu'il reste 3, 6. Ils ont aussi une autre province dans le tas, mais je vois pas où elle est. Alors attends, je vais essayer de compter. Alors, les deux bastions, les 3, ça fait 5. 7. Ils ont, j'ai bien dit 7. Hein. Favored daughter. Opa. Ok. Hein. Sera, si tout va bien, une fois on aura déjà quasiment la moitié des territoires requis. Là, on va essayer de trouver un autre point pour nous, quoi. Le Gringor s'est bien étendu, non? Punaise. Accord rapide. Je demande du commerce. Faire 3500, vas-y, comme ça, récupère un peu de thunes. Azazel. Parfait. Alors, on continue d'avancer. Des fois, il faut se prendre des baffes pour mieux revenir. Hein. Mais là, avec mon armée de Zatan, là, ça a commencé à dérouiller. Et j'ai pas encore toutes les unités que je veux. Hein. J'ai encore des modifs à faire à terme. Histoire d'être bien performant. Alors, oh, j'ai assez d'influence là pour un siège. Et attends une minute. Il y en a qui m'avait usurpé un truc, là, on est d'accord. Bah, je te reprends celui-là. Merci. Donc là, on a tout le quartier ici. Ça va donner quoi? On va essayer de choper celui-là. 150. Comme ça, on va se mettre bien. Bah ouais, bah, ils l'ont cherché. Et s'ils n'avaient pas eu leur petit... Moi, je l'aurais pas fait. Alors, tour. On est en train de monter notre influence là comme il faut. Alors on va avoir quoi, du marbre ce prochain tour dans... Ok. Les protections d'achat là. On met le paquet. Donc ok, après Pomeille, on va aller chercher le cimetière de la terre cuite. Ensuite, on va aller là. Il y a Ningo, mais je crois que Nanin, c'est quelque part dans le secteur. Par ici. Et ensuite, 8-8. Quête. Allez, on se met en mode pas content. On va rajouter des trucs de Nanduc ici. En général, on ne devrait pas être embêté alors. Le seul... Je pense que les seuls qui vont presque nous poser problème, c'est eux, quoi. C'est les elfes noirs de Loki, Fellart. Superviseur de convoi, hop. Je vais refaire des convois tout de suite, là j'en ai plus, je crois. Ah, je peux en avoir 3 maintenant. Donc toi, tu vas ajouter un maître. Il va nous falloir des esclaves à Kogo. Premier convoi, le deuxième reviendra. Ah non, attention, qu'est-ce que je fais? Voilà. Hop là, on va pousser. La KT nous a mis en colère. KT va payer. KT va payer. They must pay. Ok, bon, ça commence déjà comme ça. C'est pas Gengor qui m'attaque pour ça. Je vais prendre le pognon. Et c'est un de mes plus gros convois. Hein.
1%, je le Qu'est-ce que tu veux, toi? La paix. Tu peux faire un petit effort, mon vieux, non? 1900. Ah ouais, t'es comme ça. 1890. Ouais, 5% de gagné. Hop, bisous. Comment négocier des traités? Allez, on gagne encore une tête de avec des gagnants ducs. Oh, c'est quoi de ces capacités? Attends, je regarde. Mais il y a des trucs sexy là-dedans. Il faut impérativement de l'avoir. Pendant deux tours, si tout va bien, on l'a. Ah, on va remonter la garnison tout de suite. Prochaine étape, le cimetière de circuit comme annoncé. Je suis sûr Yaoming a serre tranchée. Alors là, je vais faire un poste avancé. Hein? Ouais, Nani c'était là. Ok, bon bah, on a notre itinéraire, les mecs. Par contre, là, il va falloir qu'on discute aussi avec le Kirkeur de Pierre. Il va falloir faire attention. Est-ce qu'on s'entend bien? On s'entend comment avec lui? On est neutre. Notre guerre contre contre Meowing, ça passe. Bon. En vrai, si on récupérait des ports le long de la côte, moi, je dis pas non. Hein. Franchement, on est à 13 territoires. Les armements ici qui vont être dépensés, mais c'est un plan. Des thunes, plus de thunes encore. Est-ce que je peux améliorer? Alors ici, je peux faire des choses ou pas? Non, malheureusement. Mais non, si je peux pas encore améliorer avec des blunderbuss ici. Deux troublons, un troublon, deux troublons. Vas-y, je vais rajouter deux. Dès que je peux, j'ajoute deux blunderbuss ici. Excellent. En combo, là, ça va commencer à taper. Alors, Zatan, par contre, j'ai pas oublié que je devais te remplacer certaines d'une de tes unités. Il y avait lui, mais on va attendre. Là, on va avoir une belle armée. Hein. Je vais virer cette unité-là, je mettrai un quatrième blunderbuss. Celui qui sera légendaire. Les arcs cachés, tu prends. Hop, un peu plus de défense. Zatan, il a repris un point. Le noir, résistance ultime 5%, il peut se régénérer. Bon, bah, si vous voulez voir la destruction de Miao Ying, bah, c'est en cours de travail. Hein. On est en train de progresser chez elle, hein, tranquillou, pipou. Donc là, on a enfoncé. Bon, on fait beaucoup de résolutions auto. Hein. On a fait que ça quasiment, je dirais. Mais on, avec l'armée qu'on a, on peut quasiment le battre n'importe quoi. Et c'est pas une armée non plus d'élite. Hein. On a les Gainan de base. On a quelques guerriers, quelques assermenteurs et quelques gardes infernales, mais c'est tout. Hein. Alors, on va entraîner l'armée du coup. Alors, 6000. Bon, on a 3000. Ok. Alors, je perds en mobilité, mais je gagne en puissance. Prochaine étape, Weichang, Weichang, et ensuite Nani, Nango. Et là, je fais quoi? Une imposte avancée, je fais une usine. Là, on est en train d'être en mode stonk. Alors, ça, on va le garder, ça peut avoir son utilité. Je vais faire un bâtiment militaire ici, on sait jamais. Peut-être après un rang, je te mets marcheur de nouveau. Et je vais mettre. Alors, on a encore de la place pour une unité. Oh! J'ai encore de la place pour un blunderbuss. Dans cette armée, c'est noté.
Alors, le Castellan Infernal, qu'est-ce qu'on va faire? Casque de Zard pour protection au tir. Je prends encore Bouze. Alors, qu'est-ce qui reste dans l'armée? Il nous reste encore de la cavalerie, quelques fours basses. Allez, un peu de vitesse. Et vu qu'on a encore de la cave, de la puissance de charge, c'est pas perdu. Un autre convoi dispo. Ok. Ajouter un maître. On va envoyer où? Vas-y, on va tenter un move, comme ça on va récupérer de la thune. On va sacrifier beaucoup d'armement. Mais vu le temps qu'on a, là, on va se le permettre. Ah, ça c'est un observateur ici. Donc là, le but c'est de prendre Nani, Nango. Mais oui, je n'ai pas compris la leçon. Oh là, les artilleurs canon cru, hein, vas-y. Voilà. Très bien, moi si on le fait ça à chaque fois, moi je stonk, hein. En vrai, je vais tenter de détruire et je vais terminer sa faction dans cette section. Comme ça, au moins, on aura aussi les portes derrière et je pense qu'on aura fait le plus dur. Oh, une tuerie tentante. Alors, cargaison plus 100 ou cargaison plus 100. Oh putain, t'es sérieux là? Bon bah plus rien. Ah, ils avaient des bracers. J'avais cru que c'était des. J'ai confondu. C'est pas la soirée au niveau des convois. On va pas se le cacher. Bah du coup on va retenter. Alors lui il est en route. Superviseur des ogres ou faveur du Hobgob. Je vais prendre les ogres. On va attendre un petit peu là, on a pris assez cher comme ça. Ok, alors on change. Je vais virer ce bâtiment. Comme ça là on va le mettre. Je vais le déplacer. Ensuite ça je vais le raser aussi. En route pour Nami. Et là on va faire un poste avancé. Je vais rajouter une garnison et ça. Ensuite, à résistance arrogante, 15 d'armure dans l'armée du seigneur et 5 de défense en mêlée. C'est tentant. Ça commence à avoir une armée qui tue quoi. Voilà. Je vais rajouter un quatrième canon déjà. Kadai, ça peut toujours être utile. Marink. Un 4 Blunderbuss, c'est largement assez. Je suis tenté pour refaire un peu d'artillerie en plus là. Genre pour avoir pour dégager les deux là. Comme ça je les envoie avec chez. Dans la deuxième armée, j'envoie Corbus tout seul. Et après, je passe au centre taureau et tout. Deux requêtes, hein, comme ça. Mais bon, là, on va essayer de s'occuper en priorité de l'armée. Oh, c'est quoi ça? Ok, ça sort les lions déjà, carrément. Là, c'est le superviseur, on va le cacher. Et spécialiste en survie. Ce sera déjà un début. À terme, hein, au Gordouze, on y travaille la deuxième armée, je pense.
Alors. Ok. On va lentement mais sûrement. Tant pis. Allez, tu mets que ça passe là, ne fais pas de conneries. Victor Lapyrus, on perd personne, ça c'est cool. On va juste prendre la tour. Voilà. Ah, des hacheurs sans turtle, je dis pas non, moi perso, dans l'armée de Zatan. Comme ça, eux, je les sors. Ils coûtent cher, mais valent. Donc là, il va nous falloir attendre deux tours avant de repartir. Alors, tuerie large, je prends tout de suite. Donc, on est déjà à la moitié avec Satan au niveau des points. Je vais commencer un peu aussi à spécialiser encore dans son arme. Et aussi ça, là, les remparts noirs éclats. Équipement militaire infernal. Je vais essayer de faire plus de points. Je ne l'ai pas trop personnalisé là, mais il. C'est vrai qu'il va falloir peut-être le renforcer. Mobilité à fond. Fournaise insultante. Oh. Immunité pour toutes les unités de garde infernaux. Assermenteur infernaux. Glaive infernaux. Glaive ardent. C'est plutôt cool comme truc. Et toi, Gordouze. Je peux payer. On va augmenter la vitesse encore de ça. Ordre disponible. Ça, je détruis. Prochain tour, on fera forge reconverti. Entretien pour les artilleurs des nains du cas au moins 10% et 100 armements partout. Let's go. De la poterie pour la construction. Réduire les coûts de construction, je prends. Ouais, là, on commence à être pas mal. Ah oui. J'allais oublier le siège en que je voulais. Il est où? Le grand faucheur. Plus 1 tous les 4 tours pour une petite centaure de taureau de cadavre ou de monstre volant choisir aléatoirement. Hop. Là on a deux bons sièges en vrai là au niveau 2. Hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc là on va juste se reconstituer un tour ou deux. Et ensuite on va aller chercher le port du serpent. Au mieux. Tes blagues belges, tu te les gardes. Enfin, tes blagues catéiennes, on va dire. Les blagues les plus courtes sont les meilleures, on va dire. T'as voulu me déclarer la guerre, bah tu vas assumer. Bon, les portes ne rapportent pas d'argent, mais au moins ça nous fait des belles défenses. Hein. Conseil clan. Hop, on gagne de l'autorité. Allez, unité destructeur Kadaï d'assermenteur inferno en plus. C'est gratos, ça fait plaisir. Regardez-moi ça, deux destructeurs potentiels. Hein. Ça, je vais le refaire aussi. Hein. En vrai, est-ce que je tenterai pas d'aller chercher la porte directement? Je peux me mettre là. Hein. En embuscade. À 60%, ça va, ça se tente. On voit comment ils réagissent. Hein. En vrai, là, on va compléter déjà deux des trois objectifs, hein, l'épisode 4, ce qui sera pas mal. Du pognon. Technologie en ligne, qu'est-ce qu'on peut faire? Négociation avec la ruine, ça va augmenter, donner des bonus. L'avenir d'A. Hop, on va faire ça tout de suite là. Des coûts de réduit en sorcellerie. Ok, ils sont pas venus. C'est pas choquant en soi, je m'y attendais. Ok.
Alors, je sais pas comment il reste de convaincre aux autres factions cathayennes et tout. C'est déjà pas mal. Arcanet n'existe plus. Oh, joli ça. T'as tout le pognon qui vient de tomber d'un coup, ça a fait stonk. Alors, par contre, là, la main-d'œuvre, ça m'inquiète un peu. Accepter et accepter déjà. Alors, 800, je vais en mettre 400 ici, 400 là. Ah, il me faut 1006 par contre. SOS, alors on va prendre la porte. Tour de justesse, je prends. Tu vas juste occuper. Ah, tu vas mettre à sac d'abord la porte, on va l'affaiblir comme ça, et logiquement on peut la reprendre derrière. Excellent. Le grand bastion de l'ouest est neutre, on va la rebâtir. Je vais aussi faire ça pour réduire les coûts. Et là, logiquement, je devrais avoir des fonds pour retravailler tout ça. Comme ça, je rajoute 200 ici et 200 là. Je valide. Ok. C'est pas mal. Est-ce que je peux recruter de l'artillerie ici? Ouais, le problème c'est que ça va me prendre 3 tours. Donc je vais attendre d'avoir toutes les portes. Et là je pense qu'à terme je vais dégager les deux fourbas sub-goblin. Comme ça j'enverrai Gordouze dans l'armée du seigneur épine de granit. J'ai plus dit son nom. Je reprendrai deux autres canons. Et là je commencerai à faire un petit peu de goblin et tout comme ça, bien sexy. Et je partirai aussi sur les deux roquettes sur le mort. On a vu ce que ça a fait en début de campagne. Alors, la porte est tombée. Donc là, j'ai plus besoin de rien faire. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? T'as pas assez de puissance d'attaque à mon goût. On va améliorer ça en priorité. Attaque magique et destructrice, c'est magnifique. Alors, tout c'est pour toi. Deuxième fourba sub-goblin qui va revenir. Et hop, normalement d'ici un ou deux tours, on fera tomber la dernière porte de Catherine. Gordouze, il a pris un level. Encore un point. Moment, je vais te mettre la protection d'achat, résistance à la magie. Allez, des nains en plus. On a notre convoi sera à nouveau disponible. On va attendre ici un tour ou deux. On va leur mettre un. Mais là, on commence à bien tourner niveau industrie. Allez, la porte du dragon. Et ça devrait être la fin de Miao Ying complètement. Quelle saleté, hein, ces cathayens. Oh, ils viennent m'envahir, Grimgrok. Ok, je note. Grimgor est dans notre dos, donc je pense qu'il va falloir s'en occuper en priorité. Essayer de faire un no man's land ou de le tuer complètement. Mais bon. Les pourrisseaux, c'est ce que je vous ai déclaré à la guerre une fois. On les reverra pas. Allez, recruter l'archer en de renom et l'homme oiseau de renom. Victoire justesse, fallait s'y attendre. Je vais mettre à sac aussi encore plus de main d'œuvre. Et je me fais avoir, c'est pas grave. Alors, encore 12. Un point de plus. Zatan. Qu'est-ce que je peux lui mettre maintenant? Je regarde un petit peu les unités. Allez, équipement militaire infernal, ça sera déjà pas mal. Moment, je vais te rajouter plus de munitions, c'est toujours bien. Hein. Plus tu auras de mine, mieux ce sera. Pour abattre l'adversaire. Alors, où sont mes armées là? Ok, elle est ici, la garce.
Richard raconte une clé de ton masque, je note. Donc là, on va rien réparer pour l'instant. Et bon, on va se tourner vers Gengor, ça c'est une promesse. C'est une promesse personnelle. Ok, victoire à la Pyrrhus. Je prends, le pognon. Alors, je sais pas pourquoi elle est venue ici cette armée, mais elle s'est fait vite rembrouiller. Allez, dernier tour, on sera tour combien sur... Qu'est-ce que tu me veux? Partenaire commercial, vas-y, hein, je prends. The Bar n'existe plus. Mission envoyée, ok. Et là, on perdra juste une unité de gobelins. On va juste occuper cette fois. Et les points d'honneur sont finis. On contrôle l'ensemble du bastion de Katé. Donc on a déjà deux des trois premiers objectifs. Et il nous restera 16 colonies différentes encore à les récupérer. Oh, les orques ont bien poussé là. Attention. Attention à Gringor. Donc je pense qu'on va... La menace qu'on va essayer de voir... c'est plus Grimgor que Loki. On va surveiller ça de très près. Par ici, les fourbas gobelins, on les vire. Je vais tout de suite faire ce que j'ai dit pour la prochaine fois. Je vais pas parler de roquettes fusées le mort. Ça, j'ai les deux directs. Je sais plus beaucoup de. Encore de l'argent, oublie. Gordouz, je vais le sortir de l'armée. Parce qu'on va plus avoir de trop de gobelins. Donc, le Castellan, on va le garder. Allez, plus de mun pour Momon encore. Momon, il va tirer les munitions. Je sais pas où ça va venir. Donc je vais juste remettre ces top gobelins le temps 2. Et ensuite on aura bientôt des grandes machines de guerre. Donc là avec l'armée de Zatan là, on est plutôt pas mal. On va se soigner, on va se mettre en route et on va voir comment réagisse l'adversaire. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc là il va falloir essayer de surveiller Grimgor en priorité. La ville restée naine ou Katé. Bonne question. Voilà, donc là on sait que Grimgor là ça commence à être un gros client. Il a 19 territoires, ok, il a blob. He's a Grumdal. Donc Astrogran, il s'est plutôt mis bien dans la game. On a ses serviteurs du conclave avec Gorf le Cruel. En vrai, un jour, je serais pas... Enfin, s'il devait avoir un quatrième seigneur, non, je serais pas étonné de le voir, lui. Il me semble que c'est un seigneur légendaire dans le lore, à vérifier. Mais bon, donc là, beaucoup de grosses factions... sont montés en puissance. Alors je regarde si on peut pas faire des traités avec certains guerriers. Non. Het woman, had I no use for you, Khorne would have me take your skull. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette VOD. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite des aventures. Prenez soin de vous. Ciao ciao.